Il est 16h et vous écoutez Canal M, à la télé numérique et sur vuesetvoix.com. Bon après-midi. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, eh bien, au programme, nous aurons... On va recevoir l'auteur, compositeur, producteur et DJ Charbel Moreno pour son 9e album qui s'appelle Free. On a tous envie de ça, de liberté. Alors voilà, restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On termine en musique et en chanson, donc avec Charbel Moreno, auteur, compositeur, producteur et DJ pour son album Free. Alors on se retrouve dans un instant. Soyez là, à tout de suite. Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah. Days pass by like a hurricane. Left my heart, now you're far away. See the light on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there. Voilà, alors comme annoncé il y a un instant, on est avec Charbel Moreno. Bonjour Charbel. Bonjour Arlette, ça va ? Oui, ça va bien. Alors qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ? Parce que j'ai fait un choix, hein. C'était un petit peu compliqué, mais je suis quand même arrivée à faire un choix. Non, c'était Like a Hurricane, c'est l'une des chansons de l'album, c'est l'une de mes préférées aussi. Ah bah tant mieux. Tant mieux, hein, ça... Oui, ça tombe bien. C'est ça. Et qui met sa voix sur cette musique ? Donc c'est Rishko, c'est un chanteur sud-africain que j'ai rencontré en ligne et ça a cliqué tout de suite et puis on a décidé de faire cet album ensemble. Donc moi j'ai tout créé puis je lui donnais les chansons au fur et à mesure, une chanson à chaque mois et puis voilà, il enregistrait, il m'envoyait les trames et moi je faisais le mixage ici. Alors c'est extrêmement dansant, la voix va super bien dessus, vraiment, ouais. C'est beau.
Et sans en comprendre l'histoire, bon bah j'en ai choisi qui était voilà, qu'il fallait en choisir trois, donc je me suis permise de les choisir et j'ai commencé avec celle-ci que j'avais beaucoup aimée, pour qui j'avais eu un coup de cœur aussi. Ça fait plaisir. Alors il est super cet album. Et puis au moment, est-ce qu'on peut se tutoyer? Ah oui, absolument, oui. Alors, quand j'ai lu l'histoire de ta vie, j'ai dit « Waouh, mon Dieu !» cette histoire de musique vient de loin parce que tu es né au Liban. Oui, c'est ça. À Beyrouth. En tout cas, moi, j'ai un nom de famille où on dit qu'il est très, très connu au Liban. Donc, oui, c'est même le nom de famille de maman, parce que le nom de famille, c'est Farah. Ah bah alors, tu vois, ouais, avec un H à la fin. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas de H, mais bon, peut-être on l'a perdu avec la route. Voilà. Donc, en fait, t'as toujours aimé ça, la musique, t'as baigné dedans, on peut dire. Je pense que chez presque tous les artistes, ça commence toujours de l'enfance et quelque chose dans le sang, peut-être. Et aussi, une grosse partie de ma famille aussi sont dans l'art. Il y a des chanteurs, des compositeurs, des mannequins, des acteurs, des peintres. Oui. Effectivement, c'était difficile de sortir de là. Donc c'est la vie là-bas, la guerre, enfin les problèmes pour y vivre comme il faut qui t'ont amené au Canada. Oui, c'est sûr. Moi, je fais partie de cette génération de la guerre civile qui a commencé en 75 et bien sûr on a vécu tous les drames de la guerre. Donc il n'y avait pas moyen de rester, il fallait partir. Donc t'es arrivé ici dans le début des années 90, fin des années 80, c'est ça? Fin années 80, c'est ça. Donc, ce que je lis après sur ta carrière, c'est quand on est comme toi, baigné dans la musique, t'avais même déjà commencé à jouer, à te faire connaître. Et puis là, arrivé ici, pour gagner de l'argent, plus de musique. Ça a dû être super difficile. D'autant plus que, excuse-moi, je te laisse parler, mais d'autant plus que par les différents travaux que t'as fait, il y en a même un où j'ai vu que tu as été dans le secteur bancaire et c'est ce qui pour moi rapproche le moins de la musique. Ça n'a rien à voir avec. Mais je pense que la musique aussi, ça peut s'infiltrer partout. Alors la musique électro, ça a été ton bonheur, on va dire ça comme ça. J'étais très fasciné par cette nouvelle vague de musique électronique. J'ai beaucoup aimé. C'était par hasard, je suis tombé sur une musique de Davichi. Oui, oui. Comme David Guetta. Ah, bah celui-là, on ne peut pas le louper. Donc, toute cette génération-là. J'ai même pris des cours en musique électronique avec le DJ Kygo, parce que ça aide beaucoup dans la composition et aussi dans l'arrangement musical. Oui. Est-ce que, au départ, avant de te lancer dans cette musique-là, est-ce que tu as joué d'un instrument ou de plusieurs d'ailleurs? J'ai appris le piano à l'école et j'étudie la musique aussi. Donc ça, c'est l'instrument que j'utilise toujours quand je fais les accords en composant de la musique. Quand c'est de la musique électronique, je me pose toujours la question de savoir s'il y a eu de l'intérêt à la base pour un instrument physique. Ah oui, oui. Tu sais, des fois... Surtout le piano. Oui, beaucoup de piano, oui. Peut-être plus par obligation ou par goût? Par goût parce, et... Parce qu'à l'école, par des fois, quand tu sais, moi aussi, je l'ai fait le piano, mais j'aimais pas vraiment ça. Mais bon. Alors, à ce point-là. Alors oui, j'aimais pas vraiment ça. Oui, moi, j'aurais plutôt été vers la batterie, mais l'école n'était pas d'accord. J'étais pas bonne. Je suis meilleure à écouter la musique qu'à la jouer, très franchement. Alors, dans mon expérience à moi, honnêtement, c'était le seul instrument disponible à l'époque, à l'école. Ouais. C'était plutôt un orphelinat, donc il y avait des moyens financiers limités. Oui. Mais en fait, c'était pas par choix, c'était par accessibilité. Oui, ce qui était le plus facilement là. Exactement, et qui m'a rangé en même temps. D'accord. Alors, maintenant, on va faire une petite pause musicale, on va écouter un autre morceau, et là, on va entendre le morceau qui porte le nom du titre de cet album, Free. Voilà. Donc, on l'écoute, et puis on en parle tout de suite après, d'accord? Absolument, merci. Alors. Precious moments I'll give my best. Won't take them for granted again. Everything I know will be gone in a minute. And that's alright, alright, cause I'm free.
Alors ça, ce qu'on vient d'entendre à la fin, comme ça, j'adore. Je sais pas comment c'est fait, mais ça donne la pêche. En tout cas, tu vas nous parler de l'histoire de cette chanson, mais moi, je voulais te dire simplement que ton album, en tout cas, c'est un avis personnel, hein, il me lave des nouvelles encombrantes, mauvaises, désagréables, que j'entends un peu trop. Voilà. Parce que même moi j'aime beaucoup l'ambiance légère, dansante. On est déjà pas mal stressé dans la vie, donc ah oui. Les gens n'ont pas besoin de se faire stresser davantage. Si j'ai réussi à transmettre ce message, bah, ça me fait plaisir. Oui, merci. Ça donne ce sentiment que t'ouvres la fenêtre, t'ouvres la porte, et puis tu peux aller danser sur ta terrasse. Il y a une certaine réalité dans la chanson là où je dis qu'on peut rien prendre pour acquis. Donc on vit le moment, on s'accroche à ce moment de plaisir et voilà. Profitons du moment que l'on est en train de vivre au moment où on le vit, justement. Tout à fait, tout à fait. Ça a donné le titre de cet album dont on est en train de parler. Mais alors, ce que j'ai vu qui m'a surprise aussi, c'est que c'est un album qui a été fait en 2021. Je l'ai lancé le 25 décembre. Donc oui. Donc c'est tout récent. À Noël. Oui, c'était à Noël. Mais j'ai vu que en 2022, il y avait déjà autre chose qui était sorti. Oui, parce que je travaille maintenant sur un nouvel album, en fait deux albums. Maintenant, je travaille sur un album de musique instrumentale dans le genre World Fusion. Donc il y aura de la musique électronique mélangée avec des mélodies moyen-orientales. Ah, bien. Ouais. Et il y a un autre album que je prépare avec Richko, à peu près 9 nouvelles chansons. En tout cas, tu travailles dur, hein, parce que... à peine infini. Tu commences. Presque je dors pas du tout. Ah bon, alors dis donc. Quand même, prends le temps de te reposer. Danse, chante. Mais en parlant de chanter, tiens, est-ce que ça t'a jamais tenté de mettre ta voix à toi sur ce que tu fais?
Tu sais, le timbre de ma voix peut-être s'encadre plus dans une chorale, mais pas en tant que solo. D'accord. Et donc, j'ai pas voulu affliger les gens avec ma voix. Je m'arrête là. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des projets de spectacles, de scènes, de choses comme ça qui arrivent? Il y avait un plan pour faire quelques soirées au cabaret Lion d'Or, mais ça n'a pas abouti. C'était au moment où ils ont annoncé le couvre-feu. On travaille dessus et j'espère l'annoncer très bientôt. Bon, bah c'est super. Et il y aura bien sûr non seulement du chant, mais aussi il y aura des danseurs et des musiciens live qui vont jouer pendant que je remixe live sur scène. Ah, c'est le vrai spectacle, quoi. Le gros ouais, spectacle. Alors, parlons un petit peu aussi. J'ai lu que ton nom de scène, qui est Moreno, en fait, c'est le sens de ton véritable nom de famille en portugais. Mon nom de famille officiel, c'est Alasmar, qui veut dire basané, peau foncée, bronzé. Donc, ah, d'accord, je ne savais pas. Ouais, et Moreno, c'est la traduction textuelle du mot. Donc, j'ai voulu garder les deux aspects parce que moi, je viens d'une famille biculturelle. Il y a le côté libanais du côté de mon père et un côté de la famille de ma mère qui est brésilien. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette combinaison, le côté libanais plus le côté portugais. En ayant le sens des langues, la musique dans le sang, bah, t'étais déjà bien parti pour être un artiste. Ça. Alors, je peux pas m'en plaindre. Voilà, non. Donc, on répète le nom de ton album qui est Free. Il y a une autre chanson avec laquelle on va se quitter d'ici deux minutes, qui est One More Try. Ouais, je sais pas si je le prononce comme il faut. Moi, l'anglais, c'est pas trop mon truc. C'est celle que j'ai choisie aussi pour terminer. Alors, on va se quitter avec cette chanson-là. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette entrevue. Ça a été un plaisir de te recevoir et puis on te souhaite le meilleur. Merci. Pour toi, on part avec ta chanson. Au revoir. Au revoir. What's left for us to say when we push each other away? Don't want your heart to break, don't want this love to fade. We were like fireworks until the sparks turned into silence. Just wanna try again, cause you could be mine again. Oh, you can call me crazy, you can say I've lost my mind. Oh, you have thoughts, but maybe we could give this one more try. Flashbacks to you and I just always seem to fill my mind. Longing for what we had, what we were was better than. Just wanna try again, cause you could be mine again. Oh, you can call me crazy, you can say I've lost my mind. Oh, you have thoughts but maybe we could give this one more try. We could get
Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, on dit merci à Charbel Moreno, merci à Serge Van Bourck, merci à Maurice Bolduc pour la technique et les chansons. Puis à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis et qui continuent à vous suivre, eh bien, je vous souhaite un excellent, excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, rendez-vous à partir de lundi, même endroit, même heure. Au revoir.